Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, voici en exclusivité les toutes premières images de mountain bike du tout nouveau centre, le Castor. C'est ici! Oh my God! Oh my God! Voir qu'il y a ça ici! Comme ça ici sont les roches! Alors! C'est la première affaire qu'on va faire pour commencer la journée, ça va être se réchauffer avec un petit Apex. Alors, selon Zoé, une builder, c'est sa piste préférée. L'Apex va être une belle petite bleue, flowy, tripante. Donc ça va être parfait pour se réchauffer. Première piste que je ride au centre de Castor. Donc effectivement, très flowy. Les pistes sont tout simplement magnifiques. Signature de Sentier Boréal qui font certaines des plus magnifiques pistes du Québec et d'Amérique du Nord. Oh my God, ça va être le fun! Oh, oh my God! J'essaie de trouver à quoi ça pourrait ressembler, vous connaissez. Pour l'instant, c'est dur à dire. C'est dommage le fun! Ça ici, on continue à droite. Oh! Déjà plus serré! Le caractère de la piste a beaucoup changé. Ça ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ouh! Wow! That's it! Mais c'est dommage le fun! Oh! 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 Ok, je m'attendais pas à ça. Oh, that's nice. Bon, squirrel trap. Ça ici. Alors, on s'en va faire le maximum. À faire attention, on a des bons features dedans. J'ai une première run de fait dedans. C'est une piste qui est pas facile à linker. Ça ici. Ça ici. C'est fou comment que ça peut être un steep à pic avec des gros virages dans une petite montagne comme ça. Ça ici. Bon, deuxième run va beaucoup mieux. Ça ici. Oh, la queue a passé proche, excusez. C'était pas gentil de dire ça. Plus de vitesse. Ok. Oh, voilà. Yes! Oui! Deuxième! Là, je l'ai bien eu. Bon, squirrel! Un peu de volume, mais après ça, maximum, minimum. Bon! Squirrel! Oup. Ça ici. Alors, je vais faire attention à ce que je fais. Parce que là, on va changer de piste. Alors, on est dans la volume. Toujours dans la volume. Ok, elle se prend ici comme ça. Ça de même. Donc, on change carrément de caractère. On est dans le old school, on accroche les pancartes. Oh, that's nice! Fait que là, on est vraiment en plus style fourmi ou massif un peu dans le loam. Oh, that's nice! Donc, à flanc de colline, quel calvaire nous attend, ça de même. Rock Garden. Ah, mais en plus, ça va être le fun, ça. Pas que je pousse, petit déroulé à pluie. Ça de même. Ok. Ça ici sur les roches encore. Oh, nice! Et le dernier feature. Ça de même. Ça de même. Oh! Plus vite! Plus vite la prochaine fois! Oh, that's nice! Sentier Boréal, créer des sourires! C'est donc belle fun! Pascal, tes pistes sont malades! Oh! Next!
Dup, 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 Mr. Sandman. Oh. Oh. Hey, je pourrais aller, vous? Non. Mais bientôt. Ça fait qu'on est en haut du premier sommet, disons, peut-être un genre de deux tiers de montagne. On va aller faire un petit joker qui va être une bleue, donc une petite piste avec des petits berms serrés, ça va être le fun. Derrière moi, on a le prochain secteur qui n'est pas encore ouvert, quelques petites choses à travailler. On va avoir une belle grosse jump line qui s'appelle la Hulk, et on va avoir une petite piste vraiment autour, la Venom cachée dans le bois. J'ai très hâte de voir ça. Pour l'instant, une petite joker. Alors, une petite bleue! Une petite joker! Ok, bon, moi, elle est vite, c'est... Les virages serrés. Ouh. Ok, pas trop vite. Ouh. Oh, that's nice! Avec une petite bleue, mais quand même naturelle! Oh, un petit peu envers la ligne, excusez! Et voilà! Oh! That's nice! Alors, il semble avoir une piste que j'ai pas encore faite, la Goldoro. Donc, ah voilà, Goldoro à gauche. Donc ça ici, ça ici. Oh ok, ça va être rapide. C'est donc le fun. Ah, je me suis trompé, j'ai pris la matrice. Bon, alors je remonte. Ouais. Donc la petite verte pour les enfants. Parce que Freeride Québec, c'est un channel familial. Même les adultes vont avoir du plaisir. Yup! Écoute, ma blonde serait capable de faire ça. Ah, super le fun! C'est trop belle fun! Oh. Donc la fin de la petite verte, c'est ici. Il y a même des possibilités de gap si on est plus avancé. That's nice! Il y a définitivement des builders de Sentier Boréal qui ont vu des belles possibilités de gap, qui ont peut-être mis ça pour les adultes qui roulent avec les enfants. Alors, donc, ça va être la fin du centre Le Castor, donc un petit centre super trippant, super le fun. J'ai fait 9 laps en, je sais pas, 1h30, 2h à peu près, je sais pas le temps exact. Fait que des super belles pistes, vraiment trippant. Et je vous invite à venir ici au centre de Castor, c'est vraiment trippant. Aïe aïe aïe. Débile.